ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Comme Allah tabarak wa ta'ala dit, ne sois pas étonné par leurs biens et par leurs enfants. Certes, Allah veut les châtier avec ces choses-là dans ce bas monde et que leur âme soit sortie. Et alors qu'ils sont mécréants. Tu les vois, ils ont les choses matérielles, mais ces choses matérielles, ils souffrent à cause d'elles. Quand ils les ont, ils ont peur de les perdre, et quand ils sont loin, ils sont tristes d'être loin d'eux. Quoi qu'il en soit, il est toujours triste. Amma le musulman, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il perde ces choses ou qu'il les ait. Chez lui, c'est la même chose. Alhamdulillah. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا